Le camping avant, c'était ça. Mais maintenant, pour moi, c'est fini. Ce que je veux, c'est ça. Voici le Citroën Space Tourer Rip Curl Concept. Alors en fait, c'est une véritable petite maison sur roue. Avec lui, fini la galère de tout le matériel de camping, du UV et compagnie. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut camper sur la boue, dans le sable, même sur la neige, parce qu'il est équipé de 4 roues motrices fournies par Dangel. Ou alors, vous pouvez le faire comme ici, sur le béton, chose qui est quand même nettement plus compliquée avec une tente de camping. Bon, ce qui nous intéresse quand même, c'est l'intérieur, donc je vais vous faire un petit tour du propriétaire. C'est en réalité une société allemande, Puzzle, qui propose tout cet aménagement sur la base du Space Tourer. Alors c'est quand même hyper bien fait, ici on est dans la partie cuisine, donc c'est vraiment bien équipé, on a les petits placards et les réserves d'eau juste en dessous. Ici on a le bac à vaisselle, donc pour faire la popote et tout, c'est impeccable. Plus besoin de se galérer avec la bonbonne d'eau sur le camping. Et ici on a même deux feux à gaz, donc là c'est vraiment pour faire la cuisine, c'est top. Et en plus en 2 secondes on peut se mettre en mode salle à manger avec 2 sièges pivotants, la petite table pour manger, et puis en plus, grâce au frigo, il y a toujours la boisson au frais. Alors le gros avantage de ce véhicule, c'est son soufflet. Le premier point, c'est qu'il permet de se tenir debout à l'intérieur, donc ça c'est nettement plus confortable. Alors en plus d'avoir un lit de place au rez-de-chaussée, le deuxième point fort, c'est qu'on bénéficie d'un deuxième lit de place au premier étage en mezzanine, avec un vrai matelas. Donc là, fini la galère de gonfler le matelas ou qui fuit la nuit en camping. Et troisième point, c'est que contrairement à une réhausse rigide en dur, le soufflet, quand il est rabattu, le véhicule fait moins de 2 mètres de haut. Donc dans ces cas-là, on peut accéder à la plupart des parkings souterrains. Au péage, on n'est pas surclassé, donc on ne paye pas plus cher qu'un véhicule classique. Et troisième point, c'est que en termes de consommation, on fait toujours des petites économies. Et avantage ultime, c'est cette grande cabine de douche. Avec eau chaude, s'il vous plaît. Donc là, fini la galère des sanitaires sur le terrain de camping. Le Space Tourer avec l'aménagement Puzzle vaut environ 45 000 euros suivant les motorisations. Alors c'est tout de même nettement moins cher qu'un Volkswagen California équivalent. Pour cette version spécifique Rip Curl avec 7 teintes biton, ce liseré bien flashy jaune fluo et également les garnitures spécifiques ne sera pas commercialisé. Par contre, vous pourrez venir l'admirer du 14 au 24 septembre 2017 au Salon de Francfort. Sur ce, à bientôt sur Argus.fr et retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook et notre chaîne YouTube. Bon, écoute, laisse tomber tout ton matos là. Je vais te montrer ce que c'est que le camping tout confort. Allez, viens.